Oui, un jeu vidéo où faut jouer et Bloodborne avec la manette. Avec le fil. Bloodborne. Oui, allô, allô, bonjour. Hein. Ah, on m'entend? On m'entend. Bonjour, ça va bien? Ça va bien? Voilà. Hop, voilà. C'est l'émission. Voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je suis devenu un hipster. Non, mais. J'ai fait la beubare, non, ma beubare de puceau, là. Je l'ai laissée parce que, justement, c'est lié à l'accident. Donc, comme vous le savez tous, ou pas, ou peut-être vous vous en foutez, hein, ce qui est bien aussi, j'étais absent la semaine dernière, car dimanche dernier, donc pas ce week-end, le dimanche d'avant, nous étions le combientième? On était le 25 février. Voilà, j'ai eu un accident, on va dire, si je puis appeler ça un accident. Disons, j'ai été agressé. Et donc, d'où le bobo là. Alors, vous voyez pas peut-être le bobo parisien, parce que peut-être j'ai un pouvoir de cicatrisation assez incroyable. On va faire un tuto paint, je pense, c'est incroyable. Tu t'es pris une patate, herpès, oui, on dirait l'herpès labial, ça me dégoûte parce que j'en ai jamais eu d'herpès labial, et maintenant on croit que j'ai l'herpès là, comme Verdier quand il mange trop de cochons. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Oui, faut pas trop, je rigole, parce que, en fait, bon, là, certes, c'était un accident, l'accident bête, hein, mais c'est pas ça, le pire c'est que. C'est que, en fait, j'ai été recousu la lèvre, mais je sais pas si on voit bien, c'est recousu par là dans cette zone et ça laissera des marques indélébiles. Je suis défiguré. Faut que j'arrive à accepter le nouveau moi. Non, là, c'est pas le café, non. Alors, je ne me suis pas tapé non plus avec personne, d'ailleurs, même si à l'hôpital, quand je suis arrivé, les gens ils pensaient que je m'étais pris une patate. Mais non, oui, bah, il m'arrive toujours des chiasses, hein, c'est pas possible, hein, la vie vous met des coups. Mais ce qui compte, c'est de se relever. Voilà, c'est tout, hein. C'est sexy les cicatrices? Oh, je crois pas, moi. J'aurais préféré pas être sexy à ce moment-là. Hein? Donc, non, en fait, c'est pour ça que j'ai laissé pousser un peu. Parce que, comme je peux pas raser dans cette zone-là, je vais pas raser tout. Et là, il y aurait une petite touffe un peu bizarre. Je sais pas, ça ferait bizarre. Donc, j'ai décidé de rien faire. Ce qui est quand même la chose que je fais le mieux, je pense. Oui! Donc voilà, donc comment c'est arrivé? Voilà, oh là. Faut-il le raconter? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas.
c'est dur la vie. La vie vous met des coups et il faut savoir se relever, quoi. Mais toute façon, ça c'est la France, on veut pas de nous, on dérange. C'est gratuit comme ça. Fais un dessin. Ah ouais, il faudrait que je fasse un dessin, tiens, ça c'est bien. Je vais lancer Paint de ce pas. Voilà, un petit dessin. Donc, en fait, comment ça s'est passé? C'est très simple, voilà. Comment dire? Comment le dire sans... voilà. Raconte, ça peut pas être plus con que le café. C'est moins con que le café, surtout. Et puis là, c'est pas de ma faute, en fait. Là, c'est vraiment pas de ma faute. J'ai été mordu par un chien. Voilà, attaqué par une bête. Ah, Donc c'est pour ça, c'était recousu et je pouvais pas trop rigoler tout ça la semaine dernière. Mais franchement, j'ai un bon facteur auto-guérisseur. Hein. J'ai pas vraiment pensé que je suis Deadpool dans la vraie vie. Mais oui, un chien qui. Alors voilà, c'était un genre. Vous voyez les Rottweiler? Les Rottweiler, les gros chiens, vraiment gros chiens, tu vois. Je sais pas si vous voyez comment c'est les Rottweiler, c'est dangereux les chiens, ouais. Voilà, c'était un chien ou un caniche? Oui, voilà, bah, vous voyez les Rottweiler? Bah, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. Attendez, alors, comment je pourrais faire ça? Oui. Là, voilà. Ah bah oui, c'est pour ça, au moment où c'est arrivé l'accident, j'ai tweeté ça. Bon, bien sûr, personne ne pouvait comprendre. Hein, Google Images, on voit pas. Oui, voilà. Et c'était un chien entre le Rottweiler et, je dirais, un peu plus gros, le Saint-Bernard, entre les deux. C'était énorme. C'était énorme. Oui. C'est pour ça, oui, j'avais tweeté ça la semaine dernière, quand, juste genre 1 heure après que ce soit arrivé, sur le chemin de l'hôpital. Voilà, Way So Wacky, parce que j'avais le truc. Alors, je vais. Oui, bah, je vais vous montrer mon agresseur. Hein, attendez. Alors, Rottweiler. Rottweiler, parce que c'est pas ça. Donc voilà, ça c'est. Ah, oh, ils sont gentils, ceux-là, ils sont mignons, hein. Oh, regardez. Oh là là, il est tellement mignon. Animaux relax, il y a écrit. Très bien, tu relaxes, hein. Oh là là. Ben, moi, c'était pas ça. Moi, c'était un... Comment on appelle ça? J'ai honte. Mais bon, c'est pas de ma faute. Un pincher. Pincher, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Oh là là, cette saloperie. Ah là là, putain, c'est ça, c'est lui. Putain, il m'a croqué ce chien. Bon, c'est un chien de toute façon. Ah là là, c'est ça c'est vraiment de la sale race de chien. Ça c'est. Mais oui! Les bâtards, ils rigolent. Vous voyez, on peut rien raconter. Moi j'arrête le stream. Si c'est comme ça, j'arrête. Voilà, j'arrête. Si c'est pour se moquer de moi, j'arrête, hein. Ça va, ça... Moi, je dis la vérité maintenant, hein. Voilà, si c'est pour se moquer. Non, mais ouais, bah, c'est ça. C'est mon bourreau. Regardez, là, on voit bien là comment il est agressif. Afficher l'image. Ah, mais non, il faudrait que je la mette ça en nouvelle emote. Tiens, ça pourrait faire une bonne emote. Afficher l'image. Moi, non, mais putain, il n'y a pas. Comment on fait? Ah, c'est vrai que ça a changé là. Ah, bon, sa mère. Est-ce qu'il y a un grand? Je vais utiliser l'outil, hein, petite astuce grande. Voilà. Oh là 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 là, cette saloperie de toutou. Putain, c'est vraiment une sale race ces chiens. Parce qu'en fait, c'est les chiens, ils restent tout le temps près de leur maître, là. Ils sont tout le temps dans comment ça, dans les jupons, de la personne qui sait le maître. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. C'est Verdier. Oui, c'est lui, c'est Verdier. Pincher, voilà. Pincher qui veut dire mordre en allemand.
Non, c'est pas ça. Attends, si je fais contrôle X, trad, trad, Google Trad, voilà. Et là, je fais ça. Hop. Et on met de l'allemand, détecter la langue. Ah non, ça veut pas dire ça, on m'avait dit ça, moi. Allemand. Traduire. Ah bah non, Pinchos, ça veut dire. Mais comment on dit mordre en allemand alors? Oh putain. Pincher. Ah, Pincher. Pincher. Pincher, oui, Pincher. Pincher. Ça veut pas dire mordre en allemand. Mordre. Mordre. Le mordre. Et en allemand. Hop. Ah, ils disent mordre comme nous en fait. Mais j'arrive pas à. Oh là là. Bite? Non, c'est si autre chose. Mais non, mais en allemand. Ah non, c'est. Ah, c'est Beben. Beben. C'est Beben. De quoi? Croquette? Croquette. Me faites pas rire, ça me nique un peu. Alors là, il y a les fils. Je sais pas si vous voyez des fils transparents qui sont censés tomber. Bon, le pire dans toute cette histoire, voilà, c'est que pendant une semaine, je pouvais pas rigoler, tout ça. Mais là encore, ce qui me nique vraiment, c'est que ça gratte de fou et je peux pas gratter. Donc voilà, si vous me voyez des fois faire des trucs bizarres, enfin plus que d'habitude, c'est vraiment que ça me gratte, ça me. Ah, ça gratte et. Des fois je fais ça là comme ça, donc j'ai l'air d'un gogol, mais bien. Je fais ça là, les vibrations dans la joue, ça aide à la grattance. Ah là là. Je suis. Tu arrives à manger. Bah, là j'arrive de plus en plus. Les premiers jours c'était dur. Mais là, ça va. Donc, voilà. Est-ce que je peux mettre. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé à l'aide d'un croquignol. Alors, il faut que j'arrive à mettre le truc dans le machin. Voilà. Là. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non, ça ne marche pas. Hop. Voilà. Si ça marche. Voilà. Hop. Et voilà, petite mise en situation, un dessin comme on aime bien. Voilà. Alors en fait, je vous fais la scène. Voilà. Donc c'était à l'occasion de l'anniversaire de mon tonton. Voilà, j'ai un tonton. Hein. Vous avez sûrement un oncle, vous aussi. Hein. Vous savez ce que c'est. Ça fait genre, ça doit faire 6 mois, 1 an que j'ai pas vu ma famille. Ils ont dit, bon, bah, oui, j'ai pas vu parce que voilà, il y avait beaucoup d'événements le week-end, des tournois, des machins, il y avait toujours un truc. Là, c'était ce week-end-là, on a dit, allez, dimanche, on y va, c'est la famille, il y aura du gâteau, tout ça, voilà. Tonton Gustavo, exactement. Ah, tu le connais? Donc, voilà, j'arrive chez donc tonton. Tonton, tata, titi, toto, hein, bien sûr. Tutu, tutu. Et comment ça? De quoi a grandi la came? Pourquoi? Ah, genre comme ça, là, voilà. Là, ça va? Là, comme ça. Voilà. Et donc, j'arrive chez tonton. Et comment c'est disposé assez bizarrement. Hein. Là, c'est la porte de l'entrée, hein, comme ça. Voilà. On peut faire comme ça, hein. Là, il y a la table du manger. Voilà, ça c'est la table du manger. Voilà, donc moi j'entre et tout de suite, voilà. Là, il y a des gens ici, là, voilà, ils sont déjà pas en train de manger, mais voilà, hein, ils sont là, il y a des gens un peu partout. Là, il y a un canapé ici. Un canapé surgit de la nuit. Voilà. Voilà. Voilà, donc. Moi, je rentre ici, hein, là, c'est moi, hein, je suis là, hop, avec mes petites jambes et tout, avec ma tête encore pas défigurée à vie, hein, ici, ça, c'est moi. Donc, je rentre, je dis bonjour à tout le monde, j'ai changé de couleur, voilà, je fais bonjour, bisous, la bise toulousaine, la bise toulousaine, la bise toulousaine, voilà. Là, il y a les enfants, ils sont là, ils jouent. Ils jouent sur la tablette là. Les enfants de nos jours, ils jouent tout le temps sur les tablettes. Les tablettes, voilà. Ça, c'est les enfants. Ils jouent sur le canapé, sur la tablette.
Vous voyez ou pas? Voilà. Donc, je dis bonjour, voilà, bonjour, tout ça, voilà, tout ça, là aussi, bonjour, tout ça, salam, ça va, nous là, on est là, tranquille. Je dis bonjour, là aussi, je dis bonjour, voilà. Ensuite, je reviens m'asseoir dans le canapé, là, à côté des enfants, de ma cousine et mon cousin et tout ça, là. Voilà, donc je m'assois ici, là, à même le canapé. Hein, voilà, ça c'est ma bedaine quand je m'assois. Et je regarde là-bas. Et c'est important que je regarde là-bas. Hein, je regarde vers la tablette et voilà. Et donc je regarde et je dis, bah tiens, qu'est-ce que tu fais des jeux, tout ça. Moi je connais quand même les jeux vidéo, jeuxvideo.com, tout ça. C'est un peu mon dada. Donc voilà, je regarde. Mais qu'est-ce qu'il y avait, j'avais pas fait? Qu'est-ce que voilà? Qui avait vu la scène depuis le début et était infiltré dans mon dos? Attends, dans quelle couleur je pourrais faire la bête? La bête du Gévaudan et je vous les rendrai pas. Attends, je vais faire en vert, tiens. En vert. Voilà. Il est où le truc? Là, il y avait le chien là par terre, là. Comme ça. Qui lui m'avait regardé. Voilà, ça c'est le chien. Il était là, et il m'avait regardé, dit bonjour, tout ça. Et là, moi je suis en train. Je viens juste de m'asseoir. Hein. Là, c'est ça. Hein. C'est franchement 3 minutes. Hein. Je suis venu, je dis bonjour, voilà, vite fait, on parle un peu de la vie, tout ça. Je vais m'asseoir dans le canapé. Et qui c'est qui passe en fufu dans mon dos? Le chien. Qui s'incruste comme ça. Alors, moi, je calcule pas trop. Je calcule pas trop. Parce que voilà, je suis assis, je regarde à quel jeu joue ma petite cousine sur la tablette. Voilà, c'est normal. Voilà. Et d'un coup, je sens un truc dans mon dos. Bon, je comprends pas. Je me dis peut-être, ouais, c'est peut-être mon petit cousin, mon autre cousin, ou je sais pas qui est venu s'asseoir à côté. Et là, je tourne la tête. Je tourne la tête, monsieur, madame. Et bim, il me croque. Il me croque comme ça là, croque avec sa grosse bouche. Il me croque la truc. Voilà, c'est tout. Voilà, rien fait, rien de. Rien de. Voilà, je ne sais pas. J'ai rien fait, j'étais là et c'est tout. Voilà. Donc, bah, je sais pas. Après, bah, voilà, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Sans sommation, aucune. J'ai même pas, je lui ai même pas mis un petit shoot et tout pour déconner quand je suis arrivé. Hein, rien, je n'ai même pas calculé ni rien, je n'ai rien fait. Voilà, je me suis assis, j'ai regardé, je suis retourné, croque, voilà. Fini. J'ai un petit peu reculé pour damage reduce, mais ça a pas machin. Donc après, évidemment, le sang, hein, le sang coule, hein, le sang coule, voilà, partout, du sang partout. Voilà, donc voilà, dans un calme olympien, je vois ça saigne. Oh, du sang. Oh, ça coule. Donc je vais dans la salle de bain. Toujours cette salle de bain. Hein. Toujours ça. Toujours cette salle de bain, hein, finalement. Et je regarde, je fais, oh, bah tiens, c'est sérieux quand même. Et là, bah évidemment, il y a toujours ce sentiment. Pas de comment ça de. Je suis pas vénère contre le chien, je suis pas en colère, je suis pas, j'ai pas vraiment mal, ça pique un peu quand même, ça picote. Mais ce qui me saoule, c'est voilà, c'est tu te dis oh putain c'est relou, va falloir aller à l'hôpital, va falloir attendre que ça cicatrise, va falloir oh là là, tu sais qu'après il y a tout un story mode. Que j'ai déjà fait pour plein d'autres trucs, pour les doigts, pour la cuisse, pour les ovaires, pour tout, pour la vaginoplastie. Tu vois, c'est là, t'es saoulé en fait, parce que t'as déjà. Ça me fait plus rien, quoi. Ça me fait plus rien. Là, tu peux venir,
Tu me coupes un bras, je suis là, oh, c'est relou, je le prends, je le ramasse, je vais à l'hôpital. Je sais. C'est voilà, c'est ça, c'est relou, c'est les démarches, exactement. Voilà. Donc, bon, bah, du coup, après quelques minutes de réflexion, on se décide à m'emmener à l'hôpital. Bah, c'est sympa. Donc, j'ai une photo de l'hôpital. Par contre, ça va être moche, les enfants. Hein. S'il y a des enfants devant, reculez, reculez. Et vous pourrez voir, effectivement, que j'ai un gros facteur de cicatrisation. J'ai le X-Factor, hein, le pouvoir de Deadpool. Hein. Je cicatrise vite, apparemment. On m'avait déjà dit pour les doigts, hein, les doigts, regardez, les doigts n'ont presque plus il n'y a plus de rien, là, hein, on voit. Là, après seulement une semaine, c'est phénoménal. Hein. Donc voilà, je suis un enfant de 30 ans. Bah, recule, alors ça va faire peur. Hein. Donc je pense que ça va être un peu moche. C'est le véganisme, ça, voilà. Bah non, bah voilà, si ma tante, elle était une vraie végane, une vraie de vraie, elle n'aurait pas de chien. Et à ce moment-là, il n'y aurait pas eu d'accident et je ne serais pas défiguré. C'est mon outil de travail, les gars. Vous vous rendez pas compte. J'arrive pas à le dire sans rigoler. Bon, est-ce que je garde ce dessin? Non, c'est pas la peine. Hein. Hop! Voilà, donc, ça va être dur. Ah, je mets vite fait pour habituer l'œil. Et j'enlève tout de suite, hein, parce que ça fait peur, hein, je vous le dis. Ça va faire peur. Hop, hop, voilà. Oups, on a vu un petit peu, voilà. On habitue déjà le cerveau, on habitue l'œil. Mais tu avais la souris, trop. Ben, je peux pas me raser si je me rase. Là, les fils et tout qui sont attachés, tout part avec, hein. Ouais, ça va, une frame. L'œil bovin. Ah, ça plaire aux meufs? Oh, je sais pas. Je plaire aux mecs plutôt. Si déjà ça pourrait arrêter de plaire aux chiens aussi. Connard, j'ai pas vu qui a clippé. Non, mais je vais vous montrer, mais c'est juste que voilà. J'habitue un peu. Il y a un trou. Bah oui, il y a un trou, c'est ça le problème. Oui, c'est ma barbe de puceau, parle bien. Mais je suis obligé de laisser pousser, j'ai expliqué, parce que comme si je peux pas raser là où il y a les fils et tout, donc je vais pas raser tout autour, et là il y aurait un petit îlot, voilà, un petit îlot pétré, là ça voudrait rien dire. Bon, je vous montre l'image. Attention, cette image peut choquer les enfants morts. Voilà. Donc, vous voyez, c'est à ce niveau-là, en fait. Je vais faire un petit zoom, hein, histoire que ce soit dégueulasse. Voilà. Ah, bah, on voit pas avec ma tête. Hein. Je vais me mettre là. Voilà. Donc là, est-ce que c'est bien dégueulasse? Ou pas? Donc voilà. Ça m'a croqué là, ici. Voilà. Mais ça va. Ouais, ça va. Ça va. Putain. Ben, je vous avais dit, c'est comme Joaquin Phoenix. Voilà, et eh bah ben oui, je vous avais dit, c'est moche, voilà. C'est du ketchup? Je sais pas. Donc voilà, donc c'est à ce niveau-là où ça fait, c'est où que le bât blesse en fait, enfin le chien surtout, le bât, je sais pas trop. Ouais, bah heureusement que j'étais rasé pour une fois pour l'époque. Donc là il y a un trou, là aussi il y a un gros trou. Donc en fait, comme c'est pas une coupure nette, on va dire, quand il a recousu, ah, il faut que j'explique aussi comment il m'a recousu à l'hôpital, c'est des phases. Hein. Donc comme c'est pas une coupure nette, bah ça va forcément laisser des traces parce qu'on peut pas recoudre bien en mode propre vu que c'est déchiqueté, il y a un bout, on ne sait pas le comment ça le chien a dû le garder en manger. Voilà. Non, non, j'ai pas pleuré, j'ai pas pleuré. Par contre, là, on peut voir les poils de nez. Et ça, c'est pas mal aussi, hein, les poils de nez. Donc, bon, je sais pas, je peux enlever. D'où le why so guacus de. Voilà. Il manque des bouts. Enfin, oui, c'est ça. Il manque des bouts. Donc, comme il manque des bouts, bah, c'est pas propre. C'est pas machin. Donc, voilà. Donc, on arrive à l'hôpital. Parce que quelqu'un a bien eu pitié de moi pour m'amener.
Et à l'hôpital, comment ça, déjà, tout le monde me regarde mal en mode, comme si, voilà, je m'étais pris une patate ou quelqu'un m'avait couché. Sauf que bon, quand on voit mon physique dans la vraie vie, bon, avant que je parle, bien entendu, qu'on entende ma voix, je fais peur un peu. Donc du coup, personne vient me tester, on me teste pas. Donc, donc c'était pas très peu probable que j'aie pris une patate. Mais les gens, peut-être, ils se disent, voilà, c'est un show et tout, ils sont brouillés, et voilà. Si lui, il a pris une patate, l'autre en face, il doit être mort et tout. Enfin, personne se douterait que c'est un chien de moins de 3 kilos qui m'aurait dévisagé. C'est ça. Mais oui, tout le monde veut faire du mal aux chiens. Mais voilà, mais c'est, mais faut pas, c'est pas la faute du chien. Je pense que c'est la faute des maîtres en vrai qui ne dressent pas les animaux ou qui prennent des animaux tout simplement. Hein. Voilà, tu prends des animaux, c'est des responsabilités, tout ça. Il faut savoir les éduquer, machin. C'est pas, t'as un animal, ouais, il est là, hi, tu le laisses vivre, gambader, et un jour il tue quelqu'un, bah, ah bah, oh, il est mignon aussi. Ah, le pire, c'est, oh, mais il le sent quand les gens sont mauvais. Oh là là, ma daronne, elle m'a tellement mis le couac. J'étais là, tu viens. Je reviens de l'hôpital. Ma daronne, de toute façon, la meilleure guaqueuse de l'histoire. Je reviens de l'hôpital. Je suis saoulé parce qu'ils sont en train de. Pas parce que j'ai le truc, mais parce qu'ils sont en train de dérailler toute la graille et moi, je peux rien manger. Voilà, il y a des gâteaux, il y a des machins, il y a des trucs pétés. Et moi, je suis là, je peux rien manger parce que, bah, à peine j'ouvre, ça. Voilà, ça risque de repéter ou de. Ça pissait le sang, ça continue à pisser le sang et tout. Donc, qu'est-ce que dit, madame? Elle dit, oui, mais. Il le sent quand les gens sont mauvais. Il le sent. Non, il le sent pas. C'est vous, vous éduquez pas les animaux. Et si les animaux, ils sont mongols de base. Voilà. Donc, oui, mais il le sent aussi. Ah, vous imaginez bien avoir la gueule en sang. Vous êtes fait croquer, défigurer, tout ça, par un chien de merde hein, qui sert à rien. Il est là, il transforme le manger en caca, c'est tout ce qu'il fait. Et t'arrives, et ta daronne, elle dit, oui, mais c'est toi aussi, tu es mauvais. Tu es mauvais, il le sent, le chien, sinon il t'aurait pas croqué, bien sûr. Voilà, donc en fait, c'est moi, c'est ma faute. C'est moi l'agresseur, en fait. Je suis arrivé dans la pièce. Avec mon aura de méchant, voilà, bon bah, lui il a voulu me remettre dans mon droit chemin, c'est tout. C'est ma faute, voilà. Ouais, donc, bon, je me suis calmé, j'ai dit, le couac, c'est moi qui l'ai inventé, elle essaie de te couaquer, voilà, ne tombe pas dans le piège hein, évident, mais. Ça m'a mis quelques secondes quand même pour évacuer les mauvais chakras. La justice canine. Oui, oh, bon, si y a des histoires avec ma daronne, si je vous les racontais, vous n'êtes pas prêts. Hein. Franchement, je peux avoir une anecdote par seconde sur ma daronne. Mais bon. Je ne vais pas commencer à parler de la daronne. On n'en finira plus. Mais non, mais ouais, c'était compliqué. Donc, j'arrive à l'hôpital. Ah, je vais faire un dessin de quand il me fait l'opération, le monsieur. L'opération du simple d'esprit. Attends, c'est où? C'est où qu'on fait déjà? Oui, c'est ça, j'avais mis là. Donc, ça, j'enlève ci. Je fais ça. Oui, non, si, oui, c'est ça. Paint. Je relance Paint. Et je suis à vous parce que Paint est ton ami. Voilà. Petit dessin indé. Voilà. Hop. Donc, j'arrive à l'hôpital. Tout ça, on s'inscrit. Fort heureusement, ma tante qui travaille à l'hôpital, dans cet hôpital-là, bah, fait qu'on est passé un peu devant les gens. Bah ouais. Bah, enfin, je sais même pas si on est passé devant les gens. En même temps, c'était un truc, ça pissait le sang, fallait opérer tout de suite. J'aurais pas pu aller me poser 2 heures et me vider de mon sang. Non, je pense que ça se trouve, c'est un truc normal. Enfin bref, on est arrivé.
Je vais me faire opérer. Alors, c'est bizarre, hein. Tu savais, ils ont leur truc comme ça, là, leur fauteuil, là, leur truc où il y a le papier, là. Là, il y a le papier, il y a le rouleau, là, de papier, là, qui machin, qui est dessus. Voilà, ça, c'est le truc. C'est le... Comment on appelle ça? Le lit là, enfin je sais pas comment on appelle ça, leur espèce de lit là. Voilà, donc moi je m'assois, voilà, je m'assois là, la gueule en sang. Hein. Hop, ah j'ai oublié de faire la bedaine, voilà, la bedaine. Ça c'est moi, donc je suis en train de tenir un mouchoir là sur la bouche hein, pour commencer à, pour éviter que ça saigne trop. La litière. Le brancard, oui, c'est ça, le brancard, le brancardo, brancardo, parce que je connais le nom en italien. Donc oui. Et donc donc voilà. Donc il me dit oui, regarde un peu et machin, il fait ah, faut rattacher, faut truc. Il dit oui, c'était, je lui dis c'était un chien. Il me demande si le chien était à jour dans ses vaccins. Fort heureusement, oui. Mais ça changerait parce que... Ah oui, j'avais pas le tétanos. Mon tétanos, c'était plus bon. Alors, ils m'ont fait un pic, là, du doigt. De ce doigt-là, très précisément. Pour aller faire le test si j'avais besoin du tétanos. Donc, après, elle est revenue, le tétanos. Oui, j'ai eu là. Là, oh, là, là, il y a encore une... Oh! Il y a encore une... Comment ça? Un petit dôme. Oui, voilà, donc le tétanos, ils m'ont fait le vaccin aussi. Donc voilà, après il me dit allongez-vous, donc je m'allonge, hein, je m'allonge, tout ça. Et là, il va me recoudre. Alors, je vais faire un nouveau dessin, un nouveau dessin. Alors, la recousion, c'est un truc très très technique. Alors déjà, moi je suis là avec ma gueule, ici, là, avec ma gueule de métèque. Je suis là, je suis allongé avec la bouche comme ça en sang. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un drap, donc voilà, hein, qui n'est pas transparent, hein, mais bon, la magie de machin, voilà. Il prend une sorte de papier, là, de papier, je sais pas, de papier d'opération. Il le met sur la gueule et il laisse un petit trou là pour voilà, pour opérer. Donc moi, je suis là, je suis dessous. Je suis ici dessous, dans la goutte montante, je vois rien. Je vois rien, j'ai du mal à respirer. Évidemment, le sang coule, hein, le sang coule de partout, hein, voilà, là c'est le sang qui coule. Et c'est le sang qui coule, coule, qui nous rend sérieux. Non, c'est pas ça, enfin bref. C'est le sang, il coule. Et lui, il me dit, voilà, ah non, avant j'ai oublié, oh là là, avant j'ai oublié, il m'a fait des piqûres d'anesthésie, oh là 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 là, ça c'est l'enfer aussi, hein. Il vient là, voilà, là c'est ma bouche ici, et il vient avec la piqûre, et comme c'était là le comment ça, le caca, il vient avec la piqûre, et il te pique là, le gars, il te pique ici là même. Voilà, tu piques, ça c'est une piqûre en fait. Voilà. Il te pique là dans la joue. Ah, ça fait mal, hein. Aïe. Ah, aïe, ça fait aïe. J'ai pas pris le sucre. Oui. Il me dit attention, machin. Je lui dis, moi j'ai pas peur, vas-y. Fais ton truc. Fais ton truc, frère, t'inquiète. Donc il vient, il pique là dans le truc. Hop, hop, il pique. Et voilà, pour anesthésier un peu. Mais en vrai, il aurait pu m'opérer direct. Hein, ça faisait même pas tant mal que ça. Hein. Donc voilà, piquer, hein, ça, c'est un peu schnaps. La pigmentation, voilà, exactement. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc après, on passe, une fois qu'il m'a piqué, je m'allonge, voilà, hein, je m'allonge ici, allongé les bras le long de mon grand corps maigre, comme ce dessin le montre, hein, très très maigre. Et donc, en fait, quand il m'opère, merde, c'est le mauvais côté que j'ai fait. Bon, vous avez rectifié chez vous, bien entendu. Donc, il m'opère, là, par l'occlusion intestinale du truc, là, par le papier, il m'opère.
Et il va au pif, il va recoudre avec des fils, mais vraiment au pif. Et moi, je suis sous le truc là, et j'essaye de lui parler, de lui dire, je... Comment ça? Parce qu'en plus, je suis malade, j'ai un peu le nez bouché, je... Voilà, je respire pas trop, monsieur, parce que le... Comment dire? J'étouffe. Mais sauf que moi, je suis dessous dans la goutte montante, donc je peux pas lui dire. Donc... Donc à un moment, je tousse. Et le sang va partout. Voilà, ça fait des petits sang sanctification partout là. Voilà. Et il dit, ah, oh, monsieur, faut pas cracher. Ah, oh, faut pas cracher, mais je vais pas avaler le sang, tu vois, c'est dégueulasse. Et il me dit, si, faut avaler. Donc pendant qu'il m'opérait et que le sang coulait dans ma bouche, j'ai dû avaler deux trois fois mon sang. Ça c'est bof quand même. Ça, c'est le côté un peu bof du truc. C'est voilà. Donc, j'ai dû avaler. Et en plus, j'ai dit à un moment, tu peux soulever quand même parce que je respire un peu. Désolé, pardon de vivre. Hein. Nous ne sommes pas que un tas de viande. Hein. Nous sommes aussi des êtres humains, messieurs les médecins. Parce que ils ont eux, les médecins, pour eux, c'est. Voilà. C'est. Ils voient plus des gens, ils voient plus les humains. Pour nous, c'est, ils voient un tas de viande. Voilà, quand ils te regardent, c'est comme quand tu as été dans la matrice, tu vois des 0 des 1. Eux, ils voient un foie, un cœur ici, un anus dans l'épaule, tu vois. Ils voient le truc en entier. Et ils nous voient plus, nous. Et donc, voilà, tu le sens que. Il met les formes pour dire bonjour, monsieur, machin truc, parce qu'il est obligé, mais en vrai, y a plus, tu sens pas le petit artisan comme avant, il y avait. Je dis de la merde. Voilà, on parle du cœur ici. Il pourrait pas opérer sinon. Tu crois? Tu penses s'il était trop sympa? Je sais pas, je sais pas. Voilà. Donc, il m'opère, il me recoue au pif. Franchement, il m'opère au pif parce qu'il a fait 2-3 points de 2-3-4 points au pif parce que, comme vous avez vu sur la photo, hein, c'est pas coupure nette donc voilà, il fait ça au pif, on verra bien. Voilà, il rattache un peu, voilà. Après, il met un produit, ensuite, il met de la crème là, la crème qui est censée aider à la cicatrisation. Et c'est ouais c'est au pif hein, franchement c'est au pif parce que bah vous allez voir après j'ai l'image d'après la recousition c'est bof non mais vraiment le pire c'était d'être dessous le truc de pas pouvoir respirer et d'être obligé d'avaler le sang là ça c'est ouais, c'est bof c'est bof c'est mid c'est mid à choisir j'aurais préféré pas le faire. On dirait t'as un herpès. Ouais, c'est ça. On dirait j'ai un herpès. C'est malheureux. Mais peut-être que, Inch'Allah, après ça fera un peu moins dégueulasse une fois qu'il y aura plus, je serai plus obligé de mettre la crème et il y aura plus de fil. Déjà, je pourrais boire, manger normalement. Au pifu. Ouais, suppose. C'était pas dingue. Mais bon, c'est la vie, hein. Voilà, c'est la vie qu'on a choisie, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je vous montrerai après l'opération, voilà, ça c'est ça. Voilà, là c'est recousu. Alors, je ne sais pas si vous voyez une grosse différence, mais là c'est censé être recousu. On voit là, il y a des petits fils au pif, voilà, c'est au pif. Là, il y en a un aussi, voilà. C'est censé être recousu. Voilà, donc on passe quand même de ça, voilà, qui était quand même le Grand Canyon, le Grand Canyon à ce niveau-là, à là où c'est, voilà, c'est un peu recousu. C'est un peu recousu. Et il m'a dit, dans 6 mois, on verra la vraie cicatrice finale. Ah oui, oh ici, il m'a fait flipper. Oh, le gars, il m'a fait flipper. Tu sais, il te met un dernier couac comme ça. Il dit, bon, bah vous allez voir, j'ai fait l'ordonnance pour vous ayez des... Comment ça pour avoir le produit, les compresses, pour nettoyer et tout, tous les jours, tout ça. Et il a dit, attention, par contre,
il y a de très 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 grandes chances que ça s'infecte. Et à ce moment-là, si vous voyez gonfler et que vous avez de la fièvre, allez tout de suite à l'hôpital et là, c'est coma éthylique, chirurgie réparatrice et tout, hein. Il m'a dit, voilà, faut surtout... il faut... il faudra surtout, voilà, faire gaffe. Bon, salut, voilà, salut. On te laisse avec ça et toi, tu t'en vas. Je dis, oui, mais le chien, il a ses vaccins quand même. Oui, mais même là, ça, c'était vraiment... Il me dit, c'était vraiment une morsure profonde. Les bactéries, elles sont rentrées et il y a de fortes chances que ça s'infecte, voilà. Je... Ah, bon, bah, merci, merci monsieur, merci bien. Et voilà, et puis il se barre, il te laisse là, baigner dans ton couac. Voilà, donc... il a piffé ça aussi. Bah, je pense que... Il y a un peu de... Il dit ça un peu pour te faire flipper et que vraiment tu fasses bien le... Comment ça? Le nettoiement. Tous les jours, tu nettoies bien la plaie. Tu désinfectes bien. Tu mets la crème là et tout. Moi, de toute façon, j'allais bien le faire hein, dans tous les cas. Hein. Non, j'ai rien fait au chien. C'est ça le pire. Si encore j'avais fait un truc au chien. Voilà, donc là, c'est... Là, c'est juste après l'opération du simple d'esprit. Et là, après, voilà. Là, ça c'est le côté herpès qu'on aime bien. Le côté gratin, j'ai envie de dire. Le côté... Ça, c'est un peu plus récent. Ça date de quand? Ça, c'est à 2-3 jours. Voilà, ça ressemblait à peu près à ça. Donc là, j'ai mis la crème dessus. Hein. On peut voir que ça baigne bien dans la crème. Hein. C'est le gnocchi sur la lèvre. Ça fait un peu le X de Xbox, c'est vrai. C'est gratiné, hein. La photo bad boy, tu crois? Wow, bah je sais pas, hein. Et voilà, il y a ce gros truc-là, rouge, là, on sent, là. Ça, là, ah, je zoome, bah, pour plus de dégueulasserie, hein, on n'en est plus là. Ça, il est parti, il est tombé. La dernière fois, j'ai nettoyé et il est tombé. Voilà, donc c'était une grosse croûte, quoi. Et il est tombé. Et voilà, là, du coup, maintenant, aujourd'hui, bah, vous le voyez, hein, je me présente devant vous. C'est comme ça. Donc, voilà, mon facteur, d'autodérision a fait le taf. Et ça a guéri vraiment, ça a guéri, ça a cicatrisé plutôt vite. Là, c'est à peu près présentable. Mais ouais, la semaine dernière, c'était compliqué. Mais là encore, j'ai du mal à dormir. Hein, si vous voulez, vraiment vous voulez savoir ma vie de tous les jours, hein. C'est vraiment là, j'ai du mal à dormir parce que en fait, ça gratte de fou et je peux pas gratter. Donc ça gratte de dingue. Et en fait, ça me réveille la nuit. Ça veut rien dire. C'est, tu dors, ah, c'est bien, on dort. Et t'as une sensation de grattage. Putain, rien d'en parler, ça me gratte là. Je gratte autour, mais voilà. Ça me gratte. Et donc, ça m'oblige à me réveiller. Donc, je me réveille. Et voilà, et je suis là, et ça gratte, et je peux pas gratter. Et je peux pas me rendormir parce que ça gratte. Donc, c'est voilà. C'est le fantôme pain, c'est ça. Mais oui, bah oui, bah oui. Un chien de chiasse, hein, le pincher. Le pincher, il est où le pincher? Mordre, 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 pincher, 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 pincher. Voilà, c'est lui, c'est ça, c'est ça, un chien. Voilà, c'est ça. C'est lui mon bourreau. Il m'a bourré haut. C'est voilà, en plus, sa même gueule, pareil, putain. Des patates, moi, je dis des patates qui se perdent. Mais faut pas, faut pas en vouloir aux animaux, hein. C'est pas de la faute des animaux, c'est pas de leur faute. Mais quand même, un petit coup de couteau dans la carotide, là, tu le laisses se vider de son sang. Bon bah ça c'est normal, hein. On voit rien. Ah oui c'est bon, on voit rien. Voilà, je disais un coup de couteau dans la carotide, là, juste là. Petite incision, on retire. Et en plus, ça me mettait trop le couac parce que je regarde Twitter et qu'est-ce que je vois pas? Regardez, hein, c'est arrivé le 25 février, hein, vous voyez?
Regardez le guac, hein. Merde, comment il s'appelle déjà? Nekoto. Nekoto, qui tweet le même jour, hein, le 25 février. Hein. C'était ça. Il est où? Ah, putain, le mec, il tweet toute sa vie. C'est où? Si je fais média. Média. Voilà. Hop, hop, hop. Je remonte. Nekoto, ce grand guaker, malgré lui, hein, j'ai envie de dire. Il est où? Hein? Là, c'était quand? Le 27 février. Voilà. Là, il guaque pas. Le 26. Et attends, le 23, non. Le 24, ah non, c'est il a retweeté. Merde, ça devait être des retweets. Oh là là, il faut que je regarde dans ses retweets. Ah là 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 là. IGN France, c'est ça. Ah purée, il m'a tellement guaqué. Attendez, c'est tweet. C'est tweet, tweet. Faut que j'aille dans ses tweets. Hein. Nekoto, hein, bien sûr. Voilà. C'était le jour où il n'arrêtait pas de tweeter des trucs qui mettaient le guac. Alors attendez, le 28. Voilà. Ah, le 27. Et non, c'est pas ça. Il tweet des trucs bizarres quand même. Le 27. Le 20. Je cherche à discuter entre vous en attendant. Le 26. C'est. Le 26. Voilà. Là, ah, voilà, c'est là. C'est là. Regardez, le 25 février. Regardez ce qu'il tweet. Attention, rafale de chiens mignons à venir. Les chiens mignons. C'est mignon, les chiens. Voilà. C'est ça. Le même jour. Genre, moi, je tweet là le Why So Guacuse parce que je suis fait défigurer. Et lui, deux frames après, je ne sais pas comment il fait. Attention, rafale de chiens mignons à venir. Le classieux. Non, regardez. Ah là là, oh, il est trop mignon. Oh, c'est mignon, les animaux. C'est gentil. Ah là là, le courageux. Juste après. Oh là là, il court. Waouh, il est courageux. Il est parti dire bonjour à un petit lion-lion. Le petit lion-lion. Oh oui, ils jouent ensemble. Oh, c'est trop mignon, la nature. C'est gentil, hein. Et voilà. Et voilà, le câlin. Ah oh, bah oui, oh, bah celui-là, il est câlin. Voilà, celui-là, il est câlin. C'est le mignon, il est câlin. C'est le mieux d'être câlin au final. Voilà, je câlin. Oh, regarde. 5 millions de vues, hein. Alors que moi, là, défiguré à vie. Défiguré à vie. Ça, on s'en fout. Voilà. Oh, il y a le casse-cou. J'ai failli rater le casse-cou. Oh, il est casse-cou. Oh là là. Oh là là. Oh, le casse-cou. Il est casse-cou. Et le mordeur. Voilà. Et le mordeur. Voilà. Et le mordeur. Le mordeur. Voilà. Il est là, le mordeur. Il y en a beaucoup qui m'ont dit faut le piquer, faut l'empailler, faut le crever, faut le planter, faut le faire bouillir. Oui, bouillir. Bouillir vivant. Voilà. Le mettre au micro-ondes, ce serait une meilleure mort, je pense. Mais voilà, je pense que voilà. S'il y a une leçon à tirer de tout ça, car il faut toujours tirer des leçons que de quand la vie vous met des coups, c'est que. Je sais pas, ce serait quoi la leçon en fait? Quelqu'un a une leçon là, s'il vous plaît? Voilà. Connais-toi toi-même, tu connaîtras qui tu es. Je pense que c'est ça la vraie leçon. Et je vous remercie. Voilà. Donc, ceci uniclos la discussion concernant le. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Et j'aurais plus besoin d'expliquer pourquoi. Voilà, pourquoi dorénavant j'ai des cicatrices ou je pense, hein, voilà. Bon, bien sûr, après, entre nous, je dirais que c'est arrivé dans un combat, je ne sais pas, dans la rue ou... C'est pas un truc, il faudrait que j'invente une histoire stylée, en fait.
Parce que là, ça a été fait morte par cette chiasse, c'est un peu zéro quand même. Hein? Je sais pas. Le chien est un loup pour l'homme. Ouais, c'est ça. Exactement. Faut que j'invente une histoire. Si vous avez des histoires stylées, n'hésitez pas à me caratweeter. Sur le caratweet, vous mettez une histoire stylée. Et voilà, j'utiliserai cette histoire pour dire, voilà, c'est de là que vient ma cicatrice. C'était chaud, c'est le hood, la vie. Attention, tu défendais un orphelin. Non, je défendais un pitbull d'un Rottweiler. Et les deux m'ont mangé. Non, ça marche pas. Et des Dragon Ball Fighters, voilà. Je suis relais, hein, les gars. Hein. D'ailleurs, j'en profite. Voilà. Ben Renault, hein, bien sûr. Les chiens mignons. voilà. Purée. C'est pas une vie, quand même. Hein. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Mais bon, le pouvoir de cicatrisation a fait le taf. Hein. C'est ça aussi, les super-héros. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, du coup, maintenant que j'ai expliqué ça, qu'on a bien rigolé, tout ça, machin, que je suis obligé de me déguiser en hipster maintenant. Si on jouait à un jeu, t'as la cicatrice de Bardock. Ah, c'est vrai que je peux le jouer maintenant. Non, Bardock, c'est pas là, lui, c'est sur la joue. Lui, il a une croix sur la joue. Badak. Moi, je dis Badak. Après, je sais pas, Bardock, Badak. Ouais, lui, c'est sur la joue, ça marche pas. Non, c'est Joaquin Phoenix, ça marche ou pas? Joaquin. Moi, j'étais plus River Phoenix, mais bon, River Phoenix, c'est. Fais voir si ça marche. Ah ouais, mais lui, c'est parce qu'il avait un bec de lièvre aussi, c'est pas au même endroit. Ouais. Oh là là, cette tête maléfique. Pouah, il fait peur. Hein. Grand, grand acteur. Hein, Joaquin Phoenix. Qui c'est qui a une cicatrice et qui s'en est sorti dans la vie? Il y a Omar. Omar dans The Wire. Omar The Wire. Ah ouais, mais c'est pas au même endroit que moi, lui aussi. Ça marchera pas. Ça marchera pas. Alors, bah non, lui, c'est en diagonale. Lui, c'est. Ah si, il est un petit peu là. Oh, un petit peu là aussi. Non, ça marche. Ribéry! Ah, les bâtards! Ribéry! Ribéry, fais voir. Non, mais lui, c'est pas pareil, lui. C'est à l'œil, lui. Voilà, lui, c'est sur le côté, là. Oh, la dent, là, la dentine, mon gars. Oh, des sacrés chicots, hein, quand même. On a des chicots. Ribéry, non. C'est quoi? Akainu. Quasimodo. Harrison Ford. Harrison Ford, il a pas de. Il a pas de. Harrison Ford. Il a pas de cicatrice, Harrison Ford. Si, il a une cicatrice. Bon, tu vois un peu. Ah oui, il en a là un peu au-dessous, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il a un peu de cicatrice là en dessous. Bon, il est tellement vieux qu'on sait plus si voilà, si c'est cicatrice ou pas. Hein. Ah oui, c'est vrai, il en a lui. Oh là là, Harrison. Ah, il avait non aussi là? Ah non, mais ça c'est pour le film. Ça c'est pour le flim. Le flim. Si, hein? Plastique Bertrand. Ah bon? Toby Flanagan. Ah bon? Elephant Man, oui. Là, Elephant Man, oui. Le célèbre chanteur de raga. Hein. Elephant Man. Ah oui. Ouais. Ouais, il bof quand même. Et Fortman, Raga, Raga Dancehall. Voilà. Ah, et cicatrice aussi, lui, hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, il a un peu de cicatrice là autour. Cantona? Non, Cantona, il a pas. Ah, Harvey Dent. C'est vrai que je suis un peu Harvey Dent. Harvey Dent, mais c'est pas un vrai humain, lui, ça compte pas.
Oh là là, Arvid. Oh putain, ça gratte. Un faux jeu tapote. Le mec a l'air complètement baisé. Je tapote, les gars. Voilà. Philippe Douce de Blasie. Philippe Douce de Blasie. Mais là. C'est le mec normal. T'imagines un peu, t'es dans une salle d'attente chez le médecin. Philippe Douce de Blasie, compagne. Et t'as un mec qui te regarde et qui est là, qui. Mais un peu de cicatrice, Philippe Douce de Blasie. Oh là là. Oh, le charisme de Philippe Douce de Blasie. C'est quand même quelque chose, hein. S'il a peut-être eu là, il a peut-être mis un coup de tête à un mec un jour. Il y a une petite petit truc là. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Il est pas dans le coma, lui? Il s'est réveillé du coma? Michael Schumacher. Non, faut trouver un mec qui est stylé, qui a une cicatrice, qui est stylé. Il doit avoir, je suis sûr, quelqu'un qui a fait un top cicatrice beau gosse, voilà. Je vais taper ça. Il doit avoir. Il y a des tops pour tout de nos jours. Top cicatrice. Je vais taper ça. Voilà. Hein? Top 14 des tatouages qui camouflent des cicatrices. Ah oh non, mais je vais pas faire ça. Ah oh, j'ai peur de faire image. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, là on est parti dans le mal. Hein. La césarienne Evora. Oh là là là, pas ça, pas ça. Cicatrice. Topito. Ah, d'accord. Si vous en. Ah, c'est un truc. Si vous en avez marre de votre vieille cicatrice qui vous rappelle des mauvais souvenirs, sachez qu'il y a une solution, ouais, visuellement parlant. Au lieu d'amputer le membre en question, vous pouvez camoufler la bête à l'aide d'un divin tatouage. C'est ça! Le chanteur Seal. Enjoy Phoenix. Ah bon? Elle a fait un hérisson. Sur ces trucs là, ouais, pourquoi pas. C'est quoi ça? C'est juste des chiens, d'accord, ok. Ah, c'est stylé la tortue. J'aime bien les tortues en plus. Ah, le poisson sur le truc. Ah ouais, stylé. C'est quoi? Je vois pas ce qu'elle a fait. Ah, genre il y a une plume en dessous. Ok. Ah, c'est bizarre ça un peu. Waouh, il est stylé celui-là. Celui-là, il est stylé, d'accord, ok. Un Dark Vador machin. Ça, c'est stylé. Niki Lauda. Ouais, Niki Lauda, mais lui, Niki Lauda, il était. C'est quoi, il était brûlé. C'est pas pareil quand même. Ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, là, on voit vraiment plus rien. Ah ouais. Waouh, mais elle a eu quoi? Ah ouais, ouais c'est pas mal ça. Ah les trucs, ouais, pourquoi pas. Ouais, mais c'est pas un truc ça. Waouh. Ah ouais, mais là c'est violent. T'es quoi, Dédé? Ouais, bon. Calme. Calme. Ouais. Bon, c'est un peu naze et puis il n'y a pas trop de trucs. Attends, je vais mettre Jean célèbre avec cicatrice. Avec cicatrice. Voilà. Là, il y a bien un top. Voilà, le top 10 des acteurs avec une cicatrice au visage. Voilà. Là, d'accord. Yann Colette. Ah oui, en plus, il l'avait dit dans le chat. Yann Colette. Cet acteur, un membre de la. Yann Colette, je connais pas. Il est célèbre, lui, vraiment? Yann Colette? J'ai jamais vu de ma vie. Il joue dans quoi? Mais il n'y a pas de cicatrice, là. Si, on dirait qu'il a un œil plus grand que l'autre. C'est une cicatrice, ça? Je sais pas, il est chauve après, hein. Putain, mon gars, il te met un coup de tête. Bah oui. Ezio Auditore.
Je le connais pas, Yann Colette. Ah ouais? Je sais pas, peut-être avec le temps aussi, ça s'estompe, hein, les cicatrices. Yann Colette, Wikipédia. Il perd l'usage de son œil gauche à l'âge de 16 ans, suite à un sarcomsie. Est une tumeur maligne qui se forme aux dépens. Ah là là, c'est-à-dire qu'il a un œil faux, en fait. Ses études scolaires sont joyeusement interrompues par l'arrivée inopinée d'un sarcome à l'œil gauche. Condamné par la médecine, il décide de prendre les choses en main. Après un bref. Yann Colette fondé. D'accord. Son visage particulier et son œil enfoncé dans l'orbite lui ont valu de tenir des rôles de personnages inquiétants. Bizarrement. Putain, il faudra que je fasse des personnages inquiétants, moi, maintenant. C'est ça. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Faire des personnages inquiétants. D'accord, bon, bah, Yann Colette. Ah oui, il y a lui, là. Il est stylé, lui. Une vraie tête de bandit. Résultat d'une agression à l'arme blanche. Cela a tout de même permis à cet acteur écossais figurer dans certaines super productions de légende. Bravard. Ah, il est dans Gladiator, lui. Ah ouais, je souviens surtout dans Son of Anarchy. Le sourire de Glasgow. Ah ouais. Ouais, il est stylé, lui. Voilà, bah lui, on avait dit, Omar, Michael K. Williams. Victime d'une agression alors qu'il faisait partie d'une bande de Brooklyn. La bande de Gaza, certainement. Lui, il n'avait pas de cicatrice, lui-ci. C'est une cicatrice, ça. Quelle gueule du cinéma. Danny Trejo. C'est quoi? Gueule du cinéma américain. Célèbre dans Machete de Robert Rodriguez. Son passé de voyou, de prisonnier, de. Enfin, c'est cette tête patibulaire. Entre les cicatrices acnéiques, les balafres et les tatouages, difficile de trouver de la peau vierge. Ouais, bon. Gaspard Ulliel? C'est quoi ça? Il y a une cicatrice, lui, ou ça? Hein, trace de morsure de chien alors qu'il était petit. Ah ben voilà, lui aussi! Lui aussi! Mais rien de comparable avec la gueule cassée du jeune homme, puisque ici la série fait office de fossette et embellit davantage ce chef-d'œuvre qui fascine les jouvencelles de l'Hexagone. Ah bon? C'est ça là? Ça c'est une cicatrice, ça? Ah là là! Bah oui! C'est ton rouillat de cicatrices. C'est ça. Putain, le gars. Joaquin Phoenix, celui-là, on a dit. Ah, contrairement à la rumeur, il ne s'agit pas d'un bec de lièvre réparé, mais d'une marque de naissance. Bah, il est né avec un bec de lièvre, alors. Pas vraiment une cicatrice, juste un sillon interfécié qui fait toute la différence entre un minet et un sexe symbole. Ah ouais. D'accord, ok. Tina Fey? Ah ouais, elle a un petit truc là. Putain, c'est. J'avais jamais remarqué. Ah si, elle est l'œuvre d'un déséquilibré qui l'attaquait alors qu'elle était enfant. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, Harrison Ford en a dit. Là, on passe à la petite bière. D'autant que cette petite marchande n'est ni l'œuvre d'un chasseur de primes ou d'un serpent. Mais d'un accident de voiture. Ah, les accidents de voiture. Vigo? Il a quoi? Bah, il a rien, lui. Un tout petit bout de machin à la lèvre supérieure. Ah oui, si, c'est vrai, là. Fla, il a un petit fla. Non, il n'avait pas besoin pour rien. Qu'il aurait gagné en s'écroulant. Quoi? D'autant qu'il l'aurait gagné en s'écroulant sur du fil barbelé. Ivre étant jeune. Ah, l'alcool, l'alcool. T'as, moi, je picole pas, j'ai plus de cicatrices que les mecs qui picolent, c'est vrai à dire. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Un plongeon dans une eau trop peu profonde. Ah, ça, c'est con. Certains en ressortent tétraplégiques, d'autres superstars. Qu'une petite trace à l'arcade sourcilière. Ah ouais? Ou ça, là? Là, peut-être? Ah ouais, c'est le jeu, c'est le jeu. Ouais.
Ces 15 célébrités ont révélé leurs cicatrices. Oh là là, ça a l'air d'être. Zoom sur les échelles. Bon, on s'en fout. On s'en fout. Vous avez compris, il faut voir. Mais il a un petit fla. Ah bon, c'est moi qui parle comme Verdier en plus. C'est lui qui a inventé le fla. D'accord, ok. C'est de ma faute si. Si les autres ils parlent comme moi et après on me dit que c'est moi qui parle comme les autres. Ah, les jeunes. Bon. On va jouer à un jeu. Je propose de jouer à un jeu parce que là, déjà, on s'est trop amusé. C'était trop sympa. On va jouer à un jeu. Ah là là. Rôdeur du goût. Il y a Keanu Reeves qui a une cicatrice énorme. Ah bon? Keanu Reeves? Je me souviens pas. Keanu Reeves à. Keanu Reeves. Vas-y, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Il a une cicatrice, lui. Où ça? À la tête, là? Non. Pouah. Où ça? Ah, là, un peu. Là, un peu à l'œil gauche. Un peu à l'œil gauche, ouais. On dirait pas, en vrai. Monsieur Anderson. Ah, la vraie tête. Ouais, il rigole des fois. Ouais, j'ai jamais vu sourire de ma vie. Fait toujours la même tête, lui. Quel escroc, lui aussi. Et qui fait toujours la même tête et il est acteur, on sait pas pourquoi. Tra là là. Ah, le faux Keanu Reeves qui s'est incrusté. Je pas trop, il est pas trop cicatrisé, lui. C'est pas trop un collègue de cicatrices, hein, j'ai l'impression. Ah là, merci. Là, c'est la vraie tête. Hein? Jean-Pierre Pernaut a une cicatrice? Jean-Pierre Pernaut? Arrête. Jean-Pierre Pernaut. Pernaut. Où ça? Oh là là, cette tête quand même. Où ça? Moi, je vois pas. Il faut qu'elle soit vue, qu'elle est. Ça devient du. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Oh là là! Avec une bibine. Putain, cette tête. À la commissure! Ah bon? Vous voyez une cicatrice, vous? Je vois pas. Oh, cette tête de pignouf! Il est stylé quand même, Jean-Pierre Pernaut. Ouah, sans les lunettes! Ouah, le truc de fou, sans les lunettes! Ouah, ce perso! Le perso ex! Oh là là! Pouah! Il y avait le truc là, Jean-Pierre Pernaut. Et attends, c'était quoi l'image que j'avais mis? C'était dans Clash Royale. Clash Royale. Mais oui, c'était ça. Oh là là. Clash Royale. J'avais tweeté. Oh, je me souviens plus. Clash Royale. Je vais mettre Monsieur Karaté. Peut-être que ça va retrouver le tweet. Jean-Pierre. Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut. Ah non. Il n'y a plus. Oh, il n'y a plus. Oh, je sais plus. En plus, retrouver les anciens tweets, c'est dur, hein. Ah si, c'est ça. C'est ça, c'est moi qui avais tweeté ça. Ah là là, incroyable. La même tête. Rabusé. Consulté. Ah, le bâtard, il avait copié mon tweet, lui. Bon, je sais plus où c'est. Laisse tomber. Le gobelin, oui. Le gobelin. Ah là là. Bon. Attendez, je vais brancher la play. Comme ça, on joue. Alors, cette semaine, où je n'ai pas streamé, j'en ai profité pour taffer un peu DBZ. Donc,
j'ai fait des progrès fulgurants. Et quand je dis fulgurants, c'est que j'ai réussi à battre une personne au pif sur Internet quand même, hein. Je te retrouve sur Internet. Ah mais il y a la... Il y a comment ça? Il y a la mise à jour de Guilty. Oh là là, putain, ils ont tué mon perso. Ils ont tué mon perso. Oh là là, purée, j'ai... Moi, je vais faire un peu de Guilty avant DBZ. Pour vous montrer qu'ils ont tué mon perso. Mon perso de l'escroquerie totale. Attends, attendez. Où c'est le tournoi? Le tournoi, il doit être sur la chaîne de... Ah là là, bon, j'enlève les photos qui sont moches. Hop, attendez, non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Transition transitoire, voilà. Et là, je mets YouTube. Et je crois... Ah non, tais-toi Jean-Luc. Si je tape Bruxelles Challenge, voilà, il y aura les vidéos. Les vidéos du tournoi. Voilà, Zou, c'est sur la chaîne de Zou. Zou le Galibur. Est-ce qu'il y a les vidéos de tournoi Guilty? Je regarde. Il y a DBZ, il y a Tekken. Et Bruxelles Challenge. Ah là là, il a pas mis Guilty Gear, le sac. Faut aller sur la chaîne Twitch. Ah là là, quel homme, quel homme. La chaîne Twitch du Bruxelles Challenge. Purée, mon Axel qui a fait top 5 quand même au tournoi. Un truc, voilà. Non, je les ai pas mis, désolé. Ah bah là, je voulais Guilty. Purée, Zou, voilà, Zou. Mais les gars. Ah là là, les gars, les gars, les gars. Guilty Gear. Et il n'y a plus de vidéo, il n'y en a plus qu'une. Très bien. Les autres ont disparu. C'est parfait. C'est excellent. C'est génial. C'est très bien. Alors, sinon, on peut retrouver le tweet de Ashoral. Ashoral qui avait tweeté. Attendez. Ah, il avait tweeté RIP là, mon comment ça? Ah oui. Voilà, regardez, RIP le Axel. C'est ça que je voulais vous dire. Il avait tweeté ça, RIP le Axel. Parce que ils ont nerfé mon perso. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Maintenant, le coup, il fait plus stagger. En fait, dans Guilty, sur ce coup-là, là, le coup de chaîne comme ça, là, qui fait deux hits, eh ben, comment ça? Il faisait stagger. Ça veut dire qu'il fallait remuer le stick pour pouvoir mettre la garde derrière. Sauf qu'ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, et bah, du coup, voilà. Du coup, voilà. Ils l'ont enlevé. Moi, je peux plus escroquer. Va falloir maintenant. Va falloir taffer le jeu. Vraiment. C'est ça que vous voulez? C'est dommage. Oui, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il n'y a plus. Mon escroquerie totale. Attends, je crois qu'il y a un mec qui avait mis le lien en dessous. Voilà! Regardez, ça c'était à l'époque. Ah là, on retombe Ah, dans je les t'attends le bonnes drill, c'est plus ambiances. facile de drill avec Baki. Non, en Stone, fait, il faut le faire Stonefaze. Voilà, regardez, là, sur ça la avait plaque. touillé. Et ben voilà, voilà Touillé. s'il te plaît. Touillé. Merci. Tu vois? Merci. Ça! Merci. Regardez! Ça, Merci. c'était ma Oui, vie voilà, avant! merci. À la barre de stun normalement. Ah ouais, C'était ma mais vie d'ailleurs, avant! la barre de stun. Oh là 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 Attention, là! attention, Et ils attention. m'ont enlevé ça! Ils m'ont Ah, mais enlevé c'est ça, plus du moi! tag. Et maintenant? Maintenant, quand tu fais le truc, et ben voilà, ça fait ça! Il n'y a plus le stagger! Ah là 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 là! Purée, c'est quelque chose quand même, hein! C'est fou, hein! Il faut que je teste ça vitement! Et après, je vous montre mes progrès fulgurants. Fulgure au point à comment ça? À le jeu vidéo, là, qu'on avait dit. Ben oui, c'est ça, c'était l'âge d'or. Ah là là, purée, c'est pas évident, hein, quand même, hein.
Putain, j'étais bien moi avec ce petit coup indé là. Fais voir démarrer. Démarrer. Avec la meilleure intro de l'histoire. Bien sûr, faut montrer l'intro. Hein. Meilleure intro de l'histoire. Meilleur son de l'histoire. Le jeu est tellement bien. Guilty Gear, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Et je trouve le jeu, comme je disais, plus facile que DB Fighters. Hein. C'est abusé. Il est plus facile. Moi, je trouve qu'il est vraiment moins dur, moins cruel. Parce que, certes, comment ça, dans Guilty, les pressings, ils sont longs, ils sont durs, ils sont cruels. Mais t'as plusieurs façons de t'esquiver d'un pressing. Alors que dans DB Fighters, les pressings sont tout aussi violents, mais il y a moins de façons de fuir. Ah, le son, il est fort. Je sais pas pour vous si le son, il est fort, mais moi, il est fort. Un peu là. Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais baisser un peu peut-être le son. Ouais. Hop. Oh là là, il y avait l'intro. Il fallait avoir l'intro. Ils nous ont tout pris. Taf ton Faust. Juste l'ATP dans DB Fighter. Bah, il y a le arrière spécial là qui dégage là comme ça. Mais ouais, c'est dur, hein. Monte le son. T'as tout baisé? Ah bah, je vais remonter le son alors. Hop, je remonte un peu. Il était comme ça. Ah non, c'est bon. À l'huile. Le rap! Ah, il est lourd ce son. Meilleure intro de l'histoire. Potemkin, Faust, Bedman, Elfeld. J'arrive à lire, hein. Baisse le son, monte le son. Oh là là, on ne sait pas, on ne sait jamais. Non, il va bien le son là. Ah, voilà, il y a des gens honnêtes. Plus fort, moins fort. Voilà. Le son, pas le son. Le son, le son. Alors. Ah, le son est décalé. Crotte de poule en maillot de bain. Alors, le son est décalé. Il faut que j'aille là. Je fasse genre je vais toucher le son, alors qu'en fait pas du tout. Je toucherai pas. Hop. Ok. Ah là là, le son est toujours décalé, putain. Ah. Ah. Pourquoi il n'y a plus de son d'un coup? Ah là, ça a dû recaler. Ouais, là c'est bon. Donc on va voir vite fait. Dojo. Training. Toreningu. J'ai tweak le kick. Aïe aïe aïe. Quoi? J'allumais la console en stream? Le petit raconte. Le son, la console, elle est allumée depuis ce matin. Non, je sais pas, si des fois ça fait. Des fois, au bout d'un moment, c'est comme ça. C'est celui calme. Mais là, c'est bon, c'est calé. Petite stache mou. Ouais, je sais pas. Donc, bon, faudrait que je tape à jour mon. Allez, on va voir. La couleur violette, il est ma vraie couleur, mais sauf que des fois elle n'y est pas en train de moi. Donc je prends la oise. Hop, j'attends ma bien par là. Je t'envoie un SMS. Ah, mais Chocobo, dis-moi si le son est bon. Parce que il me touille, il m'en fout toujours la phase. Oh là là, il n'y a plus Stagger, c'était vrai. Oh là là. Oh là 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 là. Mais
Comment on va faire pour vivre? Il n'y a plus de stagger jamais. Mais qu'est-ce qui stag avec lui? Il n'y a plus rien qui stag. Oh là là. Ah là là. Oui, c'est toujours ça, ce vidéo. Ah là là. Purée, ça fait plus. Oh là là. La meuf, quoi, je suis malheureux. Oh là là. Il va falloir taffer le jeu ou quoi? C'est ça qu'ils veulent? Et puis quoi après, on réfléchit aussi. Oh là là. Ah, il n'y a plus le Link. Ouais, il n'y a plus le Link. Ouais, avant on pouvait faire ça. Ah bon? Ouais, on peut plus mettre. Ah ouais, ils ont nerfé. On a refait Axel qui était pas déjà très crazy. Ok. Oh ouais. Très bien. Bon bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Oh là là, c'est chaud. Purée, ils me l'ont tué à la faucille et au marteau. Oh là là, c'est malheureux, c'est le rock. C'est bon, le son est bon. Bon bah très bien. Il va falloir que je taffe un autre perso, hein, parce que moi si je peux snapser avec Axel, bah, j'ai toujours à fond, putain, mais... Je trouve qu'il est assez maléfique hein, quand même. Ah oh là là, c'est malheureux ça. Bah oui, le jeu est terrible hein. Meilleur jeu d'histoire des jeux vidéo, hein, c'est cool. Écoute Chocobo, bah j'ai pas vu ce qu'il a dit Chocobo. Ah Moraven, il arrive hein. Il arrive. Trop fort le son. Le son du jeu est trop fort. Ah, on peut monter le son. Ah, il n'y a que des phases. Bon, je baisse le son du jeu. Voilà. Hop. Eh, mais pourquoi c'est pas en plein écran d'ailleurs? Pourquoi c'est pas en plein écran? Hein? Pourquoi depuis tout à l'heure c'est comme ça? Attends, dégueulasse. Attends, je comprends pas. Oh là là, je trouve plus mes trucs. Ouais, machin truc, ok en bas. Bah,